présence ce matin. Alors que les dirigeants et dirigeantes mondiaux se réuniront au sommet sur le climat organisé par le président Joe Biden les 22 et 23 avril, une coalition de groupes demande aujourd'hui au gouvernement du Canada d'augmenter son niveau d'ambition pour faire face à la crise climatique. Des experts expertes des secteurs de la santé, du travail, de l'environnement, de la justice climatique et des organisations jeunesse vous présentent ce matin leurs exigences pour que le Canada fasse sa juste part de l'effort mondial dans l'objectif de restreindre l'augmentation des températures à 1,5 degrés Celsius. Ces experts expertes sont, en ordre de leur prise de parole, les gardiennes du Nitsinan et protectrices de la rivière Magpie, la première rivière au Canada à avoir un statut juridique, Janice M. Picard et Wapukun Mestokosho. Si elles veulent bien se présenter à l'écran en ce moment afin de se présenter rapidement. Nous allons passer à la prochaine personne, donc toujours en ordre de leur prise de parole. La docteure Courtney Howard, présidente sortante de l'Association canadienne des médecins pour l'environnement. Nous avons également avec nous ce matin Caroline Brouillette, analyste des politiques au réseau Action Climat Canada. Saba Khan, directrice générale pour le Québec et l'Atlantique de la Fondation David Suzuki. Denis Bauduc, secrétaire général de la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec. Patrick Bonin, responsable de la campagne Climat-Énergie à Greenpeace Canada. Bonjour. Andréane Parent, directrice générale du projet de la réalité climatique Canada. Bonjour. Rosalie Thibault de la Coalition étudiante pour un virage environnemental et social. Bonjour. Je leur cède maintenant la parole. Merci. Bonjour. Je suis une urgentologue ici dans le territoire du Chef Dragis, les terres traditionnelles de Dene Yalonaz et des métis du Slave Nord. La population de mes patients s'étend jusque dans le Grand Nord, où ils font déjà face à des températures de 3 degrés Celsius supérieures à celles qu'aurait connues un aîné de 80 ans. En 2014, pendant les 2 mois et demi de fumée causée par des feux de forêt, nous avons eu 2 fois plus de visites à la salle d'urgence à propos de l'asthme qu'en temps normal. Nous nous sommes demandé si cela se produit déjà, qu'est-ce que ça signifie pour nos enfants? Les territoires du Nord-Ouest représentent le point zéro des changements climatiques, mais grâce à un leadership fort et à des décisions basées sur la science, nous avons eu 0 mortalité due à la COVID-19. Les décisions politiques ont sauvé des vies. Je suis ici aujourd'hui au nom de plus de 30 organisations de la santé du Canada et des centaines de travailleurs de la santé qui ont signé cette semaine une lettre ouverte demandant au Premier ministre Trudeau de faire preuve de détermination pour un futur en santé et de sauver des vies en prenant de nouveaux engagements pour lutter contre la pollution atmosphérique et les changements climatiques. Faire preuve de détermination pour un futur en santé signifie éliminer immédiatement les subventions aux combustibles fossiles pour allouer ces sommes pour aider les travailleurs à faire la transition vers une économie en énergie propre. Les transports actifs et l'électricité à faible teneur en carbone peuvent aider le Canada à atteindre un niveau d'émission net zéro d'ici 2050, tout en sauvant environ 112 000 vies entre 2030 et 2050, qui sont maintenant perdues à cause de la pollution atmosphérique, dont le cancer, les maladies cérébrovasculaires et les maladies cardiovasculaires. En plus, on peut épargner les enfants de l'utilisation d'inhalateurs pour l'asthme. Faire preuve de détermination pour la santé et un futur en santé signifie une contribution à l'accord de Paris, déterminée au niveau national, qui est suffisamment ambitieuse pour protéger la santé et les systèmes de santé.
Ça veut dire moins de migration d'animaux liés au climat et moins de risques de propagation de zoonoses et de pandémies en le futur, ainsi que les personnes en bonne santé maintenant. Alors, moins de décès dus à l'épuisement de la chaleur, moins d'évacuations dues au feu du forêt, moins d'enfants malnutris. Faire preuve de détermination pour un futur en santé. C'est de nous tenir responsables en renforçant le projet de loi C-12 en créant un organisme indépendant d'experts scientifiques. C'est reconnaître que, tout comme la COVID-19, les changements climatiques et la pollution atmosphérique ont un impact disproportionné sur les personnes racisées à faible revenu en Canada et sur les peuples autochtones. Il s'agit d'aligner explicitement nos efforts avec la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones et d'adapter le projet de loi 230 visant à remédier au racisme environnemental. Finalement, faire preuve de détermination pour un futur en santé vise à rassurer les enfants et les jeunes en leur démontrant que les adultes prennent soin d'eux en ce qui concerne les impacts climatiques qui toucheront le plus leur génération. Les enfants et les jeunes ont contribué à prendre soin de nous en ce qui concerne la pandémie de la COVID-19, qui nous affecte plus qu'eux, en restant à la maison pendant toute une grande partie de cette année. Il y a un an, avec l'OMS, j'ai participé au lancement d'une lettre aux dirigeants du G20, leur demandant de gérer à la fois les crises de COVID, de la COVID et du climat. Cette lettre a été signée par organisations représentant les deux tiers de professionnels de santé dans le monde. Il s'agissait de la plus grande mobilisation de professionnels de la santé de l'histoire. Aujourd'hui, les fournisseurs de soins de santé de tout le Canada entrent dans les hôpitaux et les cliniques, sachant qu'ils devront faire face à une autre journée de cas difficiles. Le genre de cas qui vous pèse sur le cœur et l'âme, qui affecte vos relations et ceux que vous aimez. Les travailleurs de la santé sont courageux parce qu'ils savent que c'est ça que ça prend pour sauver des vies. Je sais que nos décideurs ressentent également la pression d'avoir géré pendant toute une année une urgence. Néanmoins, nous avons besoin que vous soyez courageux. Monsieur le Premier ministre Trudeau, faites preuve de détermination pour un futur en santé. Vous pouvez sauver des vies. Merci. Merci, Courtney. Donc, c'était la docteure Courtney Howard, présidente sortante de l'Association canadienne des médecins pour l'environnement. J'invite maintenant Caroline Brouillette, analyste des politiques au réseau Action Climat Canada, à prendre la parole. Merci, Pamela. Je voulais juste valider, je pense qu'on voulait donner la parole à Chanice Picard en premier. Donc, je veux juste lui laisser la chance de passer avant moi. Est-ce qu'elle est toujours parmi nous? Oui, bonjour. Excusez-moi, j'ai un peu de problème avec mon réseau Wi-Fi. Hier, on a eu une grosse panne. Alors, si ça coupe, désolé. Mais je vais me présenter. Mon nom est Chanice Marlène Picard. Je suis Innu de la communauté de Ekwanti. Et présentement, on a un projet qui s'appelle la protection de la rivière Makpe-Modeko-Chipu en Innu. On travaille en collaboration avec la SNAP Québec, la MRC de la Mingani, le Conseil des Innus de Ekwanti, dont je représente, et l'association d'eau vive en Mingani, qui est représentée par Mathieu Bourdon et des kayakistes, des amoureux de la rivière, si je pourrais dire. Le projet en tant que tel, c'est de faire reconnaître la rivière comme une personnalité juridique. Elle aurait 8 droits, dont le droit d'exister, le droit de protéger son écosystème et autres droits. Puis, on est en train, en ce moment, de créer un programme des gardiens du territoire Innu qu'on veut adapter à notre réalité, à notre communauté, parce que, veut pas, on observe beaucoup de changements climatiques dans nos territoires, comme en ce moment, juste un exemple. L'année passée, il y avait beaucoup de neige, cette année, il n'y en a plus.
C'est des phénomènes qu'on observe de plus en plus. Les aînés sont beaucoup inquiets aussi, ils ont beaucoup de préoccupations. C'est pourquoi ce projet-là est très innovateur. Je veux dire, on va se rapprocher de la Terre, être en harmonie avec elle, travailler avec la jeunesse, les aînés, nos experts, parce que le projet de gardien du territoire et nous est un projet de transfert de connaissances, mais aussi de protéger la rivière, de la représenter s'il lui arrive quoi que ce soit. Je crois que c'est un projet qui est rassembleur parce qu'on veut travailler autant avec les Autochtones et les Allochtones de la région et à l'international. On veut donner de la visibilité à la rivière. Notre but, c'est vraiment de la protéger. J'espère que j'ai bien expliqué un peu le projet. J'ai entendu le premier témoignage, ça parlait beaucoup de changement climatique. C'est sûr que c'est un sujet qui nous touche tous. S'il y a des questions, je peux répondre. Mais pour l'instant, c'est ce que j'aurais à dire. Le projet est toujours en cours. On y travaille depuis 2018. On a un comité en place qui travaille pour le projet. On est appuyé par le conseil, le chef, le préfet de la Mangani et l'ensemble de la population est pour le projet, je dirais. Ça a été très bien accueilli, même au niveau international. Merci de m'avoir écouté. C'est tout pour moi, je crois. Merci, Shaniste. Donc, gardienne du Nitsinan et protectrice de la rivière Magpie. Prochaine personne à prendre la parole, Caroline Brouillette, analyste des politiques au réseau Action Climat Canada. Merci, Pamela. Le réseau Action Climat regroupe plus de 130 organisations d'un océan à l'autre qui luttent pour de l'action et de l'ambition climatique. Je me joins à vous ce matin de terre non cédée Kanien-Gehaga à Montréal. Alors que les dirigeants mondiaux se rencontreront demain au sommet Biden pour le climat, nous publions aujourd'hui un rapport qui démontre que le Canada peut, à l'aide d'une suite de réglementations vigoureuses, atteindre une cible qui représente sa juste part à l'effort mondial pour restreindre l'augmentation de température à 1,5 degrés, c'est-à-dire 60 % de réduction sur les niveaux de 2005 d'ici 2030. Pour s'engager sur une trajectoire ambitieuse à la hauteur de la responsabilité historique dans les émissions mondiales et notre capacité comme pays riche, nous avons des choix à faire en tant que société. Nous avons d'une part le choix de continuer à laisser aller l'expansion pétrolière et gazière et les émissions liées au transport qui sont en augmentation. Nous avons d'autre part le choix de faire preuve de courage, d'imagination et d'audace en adoptant des règlements souples pour les secteurs du transport, des industries, des combustibles et de l'électricité, des bâtiments, ainsi qu'une augmentation substantielle de la tarification du carbone appliquée à l'ensemble de l'économie. Les constats du rapport que nous présentons aujourd'hui. Le Canada doit réduire ses émissions de 60 % sous les niveaux de 2005. Il peut le faire et relever ce défi amènera des bénéfices pour les Canadiennes et Canadiens. L'étude démontre qu'en faisant notre juste part, un taux de croissance annuel du PIB de 1,8 % est maintenu. Les investissements privés continuent eux aussi de croître et on remarque une réduction des dépenses énergétiques pour les ménages. Et même si un tel scénario nécessite que l'abandon des combustibles fossiles sera en grande partie réalisé d'ici 2030, la croissance économique en Alberta demeure supérieure à la moyenne nationale dans ce scénario. Notons au passage que le gouvernement du Canada a raté chacune des cibles de réduction des émissions qu'il s'est historiquement fixées à cause de l'absence de tout cadre de gouvernance climatique sérieux dans ce pays. Avec le projet de loi C12 qui doit impérativement être renforcé en comité, nous avons l'opportunité de mettre fin à ce cycle désastreux de promesses brisées, si les partis priorisent l'examen de ce projet de loi en Chambre des communes. Nous devons donc cesser d'opposer ambition et faisabilité. Faisons notre juste part, et ça, c'est non seulement possible, mais ça permettrait au Canada de conserver une économie florissante. Et face aux nombreuses vulnérabilités de nos systèmes qui ont été mises en lumière durant cette dernière année de pandémie, nous devons répondre au moment unique et transformateur dans lequel nous sommes par des politiques transformationnelles. Les gouvernements ne doivent pas laisser l'occasion de reconstruire en mieux nous glisser des mains. Merci. Merci, Caroline.
J'invite maintenant Saba Khan, directrice générale pour le Québec et l'Atlantique de la Fondation David Suzuki, à prendre la parole. Bon matin. Le sommet sur le climat offre au Canada une occasion historique de se détourner enfin d'une voie de développement qui l'a placé parmi les pires émetteurs de gaz à effet de serre du siècle dernier. Il est clair que nous sommes à la croisée des chemins et que l'objectif climatique annoncé par le gouvernement canadien demain déterminera de façon critique le sérieux de son engagement à combattre la plus grande menace existentielle à laquelle nous avons jamais été confrontés. La Fondation David Suzuki exhorte le Canada à adopter un objectif de réduction des émissions pour 2030 d'au moins 60 % par rapport au niveau de 2005. Cet objectif devrait non seulement être contraignant, il devrait être soutenu par l'adoption d'une législation rigoureuse et détaillée sur la responsabilité climatique du gouvernement fédéral. Dans ce sens, toutes les parties politiques ont un rôle impératif à jouer pour débloquer l'avancement du projet de loi C-12 présentement devant le Parlement. C'est clair que réduire les émissions au rythme et à l'échelle requis sera difficile et coûtera de l'argent, mais ce sera beaucoup moins coûteux que de laisser le réchauffement de la planète provoquer davantage de catastrophes qui coûtent déjà des vies et paralysent nos économies avec plus d'impact et de fréquence. La relance verte offre au Canada une occasion rare et précieuse pour devenir un acteur de premier plan dans l'économie propre. En tant qu'économie abondante en ressources, hautement qualifiée, technologiquement avancée et diversifiée, dotée d'un marché du travail d'une flexibilité impressionnante, ainsi que d'une longue expérience en matière d'ajustement positif aux changements structurels, le Canada a la capacité collective d'atteindre cet objectif ambitieux. Par-dessus tout, n'oublions pas que l'action climatique ne se limite pas à une cible, mais qu'il s'agit de répondre audacieusement à la crise climatique de manière à ce qu'aucune communauté ne soit laissée pour compte. Il est essentiel d'intégrer une optique de justice environnementale dans toutes nos politiques, tous nos programmes et tous nos investissements en matière de climat afin de garantir que les communautés historiquement marginalisées et défavorisées soient des participants et bénéficiaires égaux de la nouvelle économie décarbonisée que nous nous efforçons de construire. Nous espérons que le Canada va s'inspirer des nouveaux engagements du gouvernement américain en matière de mobilisation sociétale et institutionnelle pour le climat, qui comprennent notamment un conseil interagence pour la justice environnementale chargé de lutter contre les inégalités raciales et économiques aggravées par le changement climatique et la pollution de l'air et de l'eau. Au Canada aussi, l'ambition et l'action en matière de climat doivent donner la priorité à l'élimination des iniquités qui augmentent rapidement. Pour prouver que le Canada est sérieux dans sa volonté de faire face à l'urgence climatique, notre gouvernement doit aller rapidement au-delà de ce qu'il considère comme politiquement acceptable pour faire ce qui est nécessaire, faisable et ce que de nombreux autres pays ont déjà commencé. Faire moins indiquerait que le Canada abandonne ses engagements internationaux visant à maintenir le réchauffement de la planète à moins de 1,5 degré et que l'on sacrifie notre écosystème ainsi que la santé et le bien-être des générations actuelles et futures. Nous sommes convaincus que le Canada a tout ce qu'il faut pour agir afin de protéger notre avenir. Merci. Merci, Saba. Maintenant, j'invite Denis Bolduc, secrétaire général de la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec, à prendre la parole. Merci Pamela. Bonjour tout le monde. Alors, la FTQ reconnaît très aisément qu'il est nécessaire d'agir, que les gouvernements doivent être plus ambitieux qu'ils ne le sont actuellement. Comme mes collègues ici présents et présentes aujourd'hui, la FTQ a de grandes attentes envers le gouvernement. L'ambition climatique au Canada doit être plus forte. Je le dis sans vantardise, mais la FTQ est l'organisation syndicale qui est le plus engagée dans la lutte au changement climatique, en tout cas assurément au Québec. Et c'est clair que le Québec et le Canada ont suffisamment repoussé vers l'avant la problématique liée au changement climatique. Il y a urgence d'agir, il faut aller vite, mais il faut aussi bien faire les choses et la cible à atteindre doit s'appuyer sur la science et la faisabilité. Nous, à la FTQ, on est engagés dans une réflexion sur les cibles à atteindre. On a quand même 600 000 membres. 600 000 membres qui travaillent dans tous les secteurs d'économie au Québec, des secteurs les plus polluants aux plus verts. Alors, il faut une ambition, c'est sans équivoque, mais aussi
Ça prend une vision puis une structure qui vont faire en sorte que les cibles puis les objectifs qu'on va se fixer sont réalisables puis que les travailleurs et travailleuses soient pris en compte. Et si on veut, de notre côté, avoir l'appui puis la collaboration de nos 600 000 membres, il faut que ces gens-là se sentent accompagnés dans l'aventure. C'est une grande aventure, mais une aventure qui est nécessaire. Et qu'est-ce qu'on veut? Bien, on demande la mise en place de mesures qui vont permettre une véritable transition, une transition juste pour les travailleurs et travailleuses. Il faut que la transition soit planifiée, évidemment, le plus tôt possible avec ceux et celles qui vont finalement en subir les impacts. Et on veut des groupes de travail sur la transition juste, des groupes de travail dans lesquels le mouvement syndical va être systématiquement présent, des lieux pour réfléchir aux actions qu'il faut prendre. Puis ça va permettre d'identifier les milieux de travail qui vont subir des impacts, les impacts du changement climatique. Ça va permettre de faire l'inventaire de ces impacts-là, puis de mettre en place des outils pour assurer cette transition juste là qu'on recherche. L'Union européenne a mis en place un fonds sur la transition juste. Bien, faisons la même chose ici. Donnons-nous des outils pour avancer, pour mettre en place des solutions, d'agir puis d'évaluer les gestes qu'on va poser. On mérite tous et toutes une planète en santé. On doit absolument s'engager dans cette voie. On doit être ambitieux. Le Canada doit être ambitieux. C'est notre devoir. Merci. Merci, Denis. Maintenant, j'invite Patrick Bonin, responsable de la campagne climat-énergie à Greenpeace Canada, à prendre la parole. Bonjour à tous et à toutes. Il y a plus de 5 ans, Justin Trudeau était à Paris, a déclaré « Le Canada est de retour, Canada is back dans les changements climatiques ». 5 ans plus tard, il est temps que Justin Trudeau livre la marchandise. Demain, le sommet sur le climat de M. Biden, il y aura plus de 40 chefs d'État qui représentent plus de 80 % des émissions de gaz à effet de serre mondiales. Pour ce sommet-là, M. Biden a été très clair, les pays doivent arriver avec des objectifs plus ambitieux, montrer qu'ils veulent en faire davantage, à commencer par les pays grands émetteurs comme le Canada. Il faut comprendre que les pays les plus vulnérables subissent déjà les changements climatiques. Ces impacts-là, c'est des millions de personnes qui font face à une augmentation des sécheresses, des inondations, à des enjeux de famine, à des enjeux d'accès à l'eau potable. Donc, les pays développés ont une responsabilité encore plus grande. Mais quand on regarde la réalité, les cibles qui sont sur la table actuellement de la part des pays nous amèneraient vers un réchauffement de 3 degrés Celsius. 3 degrés Celsius, c'est 2 fois plus que le 1,5 degrés Celsius visé par l'accord de Paris. Ce serait des changements climatiques catastrophiques. Et clairement, le seul moyen, selon l'ONU, de s'assurer d'atteindre la cible de 1,5 degrés Celsius, c'est de réduire drastiquement les émissions de l'ordre de 7,6 % par année d'ici 2030. Donc, c'est ce qu'on doit faire quand on regarde les exigences de la science. À la lumière de ça, il est clair que les États-Unis vont arriver demain avec M. Biden avec une cible beaucoup plus ambitieuse. Plusieurs parlent d'une cible de l'ordre de 50 % de réduction d'ici 2030. C'est presque 2 fois plus que la cible actuelle des États-Unis. Évidemment, M. Trudeau pouvait se pavoiser et dire qu'il était meilleur que Trump, mais maintenant, il doit faire face à la réalité. Il est en train de se faire larguer par les États-Unis et on en aura probablement la concrétisation demain. Et ce n'est pas le seul pays. Quand on regarde au niveau international, il y a plusieurs pays qui ont déjà annoncé des engagements beaucoup plus ambitieux, dont entre autres le Royaume-Uni hier, qui a annoncé qu'il allait réduire ses émissions de 79 % d'ici 2035 par rapport à 1990. Et l'Union européenne a aussi concrétisé qu'elle réduirait ses émissions de 55 % d'ici 2030 par rapport à 1990. Donc, clairement, ce qu'on a sur la table actuellement de la part du Canada, c'est clairement insuffisant et pas assez ambitieux. Évidemment, la réduction annoncée potentiellement de 50 % par les États-Unis, ce ne sera pas assez demain par rapport à sa juste part, mais ça se rapprochera clairement de ce que la science exige. Le Canada, de son côté, est un pays riche. C'est un des pays qui a contribué le plus au changement climatique quand on regarde par capita de manière historique. Et c'est un pays dont les émissions continuent à augmenter. Elles ont augmenté depuis la signature de l'accord de Paris. Elles ont encore augmenté l'année dernière. Et ça, bien, c'est en grande partie en raison du secteur pétrolier et gazier au pays. Au-delà de ça, souvenez-vous que la Cour suprême a déclaré il y a à peine quelques jours que les changements climatiques représentent une menace historique, une menace existentielle pour l'être humain au Canada, mais aussi dans le monde. Donc, le Canada a une responsabilité majeure
Et demain, ben, M. Trudeau doit arriver et sortir du carcan dans lequel il est pris actuellement, soit de servir les volontés de l'industrie pétrolière. Il doit se tenir debout et arriver avec une cible ambitieuse qui respectera la science, une cible d'au moins 60 % de réduction d'ici 2030 de ses gaz à effet de serre par rapport à l'année 2005. Au-delà de la cible, il doit aussi arriver avec du financement pour les pays développés, au-delà de la cible, il doit arriver avec du financement pour les pays en développement, les pays les plus vulnérables, pour les aider à réduire leurs émissions, à s'adapter aux impacts des changements climatiques. Et ça, ben, c'est une cible de l'ordre de 5,2 milliards que le Canada doit mobiliser, dont une bonne partie sera de l'argent public pour aider les pays en développement. C'est une promesse auquel le Canada a adhéré en 2009 à Copenhague. Souvenez-vous, c'est 100 milliards de dollars par année au niveau international. Et le Canada doit faire sa juste part pour aider les pays en développement. La dernière chose, ben, le Canada doit clairement annoncer qu'il cesse le financement aux combustibles fossiles, que ce soit ici au pays ou que ce soit au niveau également international. Donc maintenant, l'heure est à l'urgence climatique. M. Trudeau l'a reconnu, le Parlement canadien a reconnu qu'on est en urgence climatique. On n'est plus à l'heure des fausses promesses, on est à l'heure des engagements concrets, ambitieux, basés sur la science. Et c'est ce à quoi on s'attend demain de la part du gouvernement. Merci. Merci, Patrick. Maintenant, j'invite André-Yann, parent, directrice générale du projet de la Réalité climatique Canada, à prendre la parole. Merci beaucoup de m'accueillir aujourd'hui. Le projet de la Réalité climatique Canada est la branche canadienne de l'organisme international fondé par le lauréat du prix Nobel et ancien vice-président des États-Unis, Al Gore. Notre mission est de catalyser une solution mondiale à la crise climatique en faisant de l'action urgente une nécessité à tous les niveaux de la société. Nous avons des branches dans 11 pays, dont le Canada, avec plus de 31 000 ambassadeurs de la réalité climatique. C'est en leur nom que je vous parle aujourd'hui. Pour le Jour de la Terre, nous organisons une formation virtuelle durant laquelle des milliers d'activistes de partout rejoindront une communauté mondiale menant la lutte pour des solutions climatiques justes et exiger plus et mieux de leurs élus. Ce sera au même moment qu'ils seront rassemblés par le président Biden au cours du sommet des dirigeants. Sur la scène internationale, nous assistons déjà à un engagement fort et un signal clair que les États-Unis sont de retour. Qu'en sera-t-il du Canada? Si la plus grande économie du monde est engagée, quelle sera maintenant notre excuse pour continuer à faire trop peu? Le sommet sera non seulement l'occasion de rehausser les ambitions climatiques du Canada, mais aussi de rétablir la confiance avec ses citoyens qui n'ont eu de cesse de se mobiliser par milliers, sans relâche, pour demander à leurs élus d'être à la hauteur de la crise, des exigences de la science et imputables dans l'atteinte de leurs engagements. Aucun doute que rétablir cette confiance ne sera pas facile. 60 % des Canadiens conviennent que si le gouvernement fédéral n'agit pas maintenant pour lutter contre les changements climatiques, il nous décevra en tant que citoyens. Des engagements sans action et imputabilité, nous en avons en effet entendu. Nous sommes encore le 11e plus grand émetteur de gaz à effet de serre, le seul pays du G7 dont les émissions ont continué d'augmenter depuis la signature de l'accord de Paris en 2015, tout en étant le plus faible contributeur à la finance climatique de l'ensemble du G7. En plus d'avoir encore, jusqu'à ce jour, une révoltante feuille de route de non-respect des droits des peuples autochtones. Échouer, c'est perdre encore plus de temps que nous n'avons déjà plus pour planifier la tâche monumentale de réduire d'au moins de moitié les émissions mondiales de manière équitable d'ici 2030, pour maintenir le réchauffement climatique à des niveaux non pas sécuritaires, mais simplement dangereux. Comme la science est claire, nous devons le faire. Échouer, c'est aussi ne pas répondre aux demandes du trois quarts des Canadiens qui estiment que la crise climatique est extrêmement sérieuse et ressentent déjà ses impacts dans leur vie. Échouer, c'est donc pas une possibilité. Nous ne parlons pas seulement de transformer au compte-gouttes des secteurs comme l'électricité, mais de changements structuraux encadrés par des politiques ambitieuses qui honorent les droits territoriaux autochtones, qui soutiennent les citoyens et les travailleurs, pas les multinationales et les industries fossiles. Alors que nous redéfinissons notre vivre ensemble, nous devons faire preuve de la même urgence et la même rigueur pour confronter des siècles de colonialisme, de racisme systémique et de négligence institutionnelle qui sévissent au Canada. C'est prendre nos responsabilités pour une société équitable et juste pour qu'elle puisse émerger. Il y a de vraies raisons d'espérer. Ces changements structuraux, ils sont réclamés par plus de 60 % des Canadiens et la réduction de plus de moitié de nos émissions, dès maintenant, est un défi pratique tout à fait résoluble. Merci. Merci, André-Yann. Et maintenant, j'invite la dernière personne de notre tour de table de ce matin, Rosalie Thibault, de la Coalition étudiante pour un virage environnemental et social. Bonjour, j'utilise les pronoms « elle ». Je suis sur des territoires non cédés de Ganyangaga à Tjojagé. Il faut que Trudeau commence à réaliser que nous sommes dans une course contre la montre.
étant la croisée des chemins entre la préservation de la vie ou la descente vers une mer-terre inondée, incendiée, malade et suffocante, chaque décision politique a plus d'importance que jamais. Le confinement a changé nos perspectives. Un effort de mobilisation de toute la société est effectivement possible pour sauver des vies lorsqu'on reconnaît une crise telle qu'elle est, un danger commun qui met en péril notre société. Le gouvernement fédéral a déclaré que le Canada était dans un état d'urgence climatique il y a 2 ans et n'a jamais agi en conséquence. De simplement bannir le plastique à usage unique est aussi efficace devant la crise que si on avait dit au cœur de la pandémie « prière de tousser dans votre coude ». Comme pour la pandémie, il faut étudier les risques et prendre des mesures conséquentes pour atténuer les répercussions. Mais on remarque que pour les décideurs publics, la survie des gens se retrouve perdante lorsqu'elle est mise en balance avec les intérêts économiques à court terme. Si Trudeau n'augmente pas l'ambition en termes de réduction de GES, il accepte de prendre le risque de mettre en péril la vie des jeunes et des prochaines générations. Il prend le risque de réchauffer jusqu'à 3 degrés en 2100, même plus la Terre sur laquelle vivra un humain qui est né aujourd'hui. La relance verte ne doit pas opposer le bien-être de la population à la prospérité économique, mais réorganiser notre société vers un post-capitalisme pour que les deux soient compatibles. Une vraie relance verte n'encourage pas de croissance économique infinie sur une terre aux ressources finies. Une vraie relance verte doit prévoir une élimination progressive de notre dépendance économique aux énergies fossiles. Une vraie relance verte ne prendrait pas le risque de mettre tous nos espoirs dans des technologies de bioénergie avec capture et stockage de carbone pour restreindre le réchauffement planétaire à des niveaux viables. Le GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, nous dit clairement à la page 96 du rapport sur un réchauffement planétaire de 1,5 degré que rien ne prouve que ces technologies puissent fonctionner à grande échelle et que de s'y fier représente un risque majeur que nous, les jeunes, on n'est pas prêtes et prêts à prendre, considérant la gravité des répercussions qui nous toucheront directement. Alors, si le gouvernement n'arrive pas aujourd'hui, à l'instant, à couper drastiquement nos émissions de gaz à effet de serre, ben les jeunes vont reprendre la mobilisation pour presser les décideurs politiques dès que la situation sanitaire va nous le permettre. Parce qu'à ce point-ci, on n'a vraiment plus rien à perdre, mais tout à gagner. Merci. Merci, Rosalie. Donc, ceci conclut la partie où les intervenants et intervenantes présentaient leurs demandes. J'ouvre maintenant une période de questions. Avant d'ouvrir officiellement la période de questions, je vais en profiter pour me présenter moi-même. Je suis très bonne pour présenter les autres et très souvent, j'oublie de me présenter moi-même. Donc, Pamela Daou, directrice des communications nationales et coordonnatrice pour le Québec de l'Association canadienne des médecins pour l'environnement et coordonnatrice pour le Québec de l'Association québécoise des médecins pour l'environnement. Donc maintenant, j'ouvre la période de questions. Nous avons environ une vingtaine de minutes pour prendre vos questions. Vous pouvez les envoyer par le chat ou me signaler avec la main levée dans les réactions dans le coin inférieur droit de votre écran si vous souhaitez prendre la parole. Il y a une main de la part de M. Christian Noël. Merci, bonjour. Patrick. Oui, bonjour. Merci beaucoup. Une question. D'abord, concernant le rapport, la façon dont le Canada pourrait augmenter ses cibles à 60 %. J'essaie de lire le rapport, mais j'aimerais entendre les... excusez-moi, je réfléchis en anglais en même temps que j'essaie de parler en français, je cherche mes mots. Ce que j'aimerais être capable de savoir de votre côté, c'est concrètement, là, nommez-moi 2 ou 3 choses concrètes qui pourraient être faites, qui ne sont pas faites maintenant, qui pourraient nous permettre d'atteindre 60 % d'ici 2030. Oui, merci. Je vais me permettre de répondre. Je vous dirais que dans l'étude, ce qu'on a fait, c'est qu'on a vraiment exploré l'effet de réglementation, des réglementations souples mais vigoureuses sur les émissions de GES du Canada. Et donc, on s'adresse dans 5 catégories, comme je le disais tantôt, transport, bâtiment,
industrie combustible et électricité, puis on applique également là, une tarification beaucoup plus élevée à l'ensemble de l'économie. Mais je porterai quand même votre attention sur deux secteurs qu'on a vus dans l'inventaire national du Canada qui a été déposé à la Convention cadre la semaine passée, qui continue d'augmenter malgré des réductions dans les autres secteurs. Donc, ce sont le secteur des énergies fossiles et le secteur du transport. Donc, on applique dans notre modélisation des règlements sur les transports, dont notamment des mandats de véhicules à zéro émission. Donc, je vais passer sur les pourcentages, mais ça s'applique non seulement je m'excuse, je vais utiliser un anglicisme, aux light duty vehicles, mais aussi medium duty, heavy duty. Mais en fait, pour vous faciliter la tâche, là, pour ma mère qui nous écouterait, mettons, là, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant pour réduire à 60 % de façon simple et concise? Oui, donc on requiert que les fabricants d'automobiles vendent un certain pourcentage d'automobiles, puis on met un cap à l'expansion de l'industrie pétrolière et gazière. Parfait, merci. Et en suivi... Donc, Saba, oui, vas-y. Merci. Oui, je voulais juste ajouter que dans le rapport indique qu'il y a certaines politiques qui sont vraiment critiques. On parle de la décarbonisation des carburants dans le transport, une norme pan-canadienne pour les carburants renouvelables. On parle aussi d'une norme, comme Caroline a mentionné, pour le véhicule à zéro émission, réglementer de façon plus stricte les émetteurs industriels et réduire les allocations gratuites des quotas d'émission aussi. Une norme pan-canadienne pour le gaz naturel renouvelable. Alors, il y a vraiment beaucoup de politiques dans plusieurs secteurs. Merci. Mais ce qui est certain, c'est que le Canada n'arrivera pas à faire sa juste part, réduire les émissions, respecter la science, s'il ne plafonne pas et ne réduit pas les émissions dans le secteur pétrolier et gazier de manière drastique et s'il n'assure pas une transition juste pour ces travailleurs-là. Et s'il ne s'attaque pas au secteur des transports, entre autres en bannissant la vente de véhicules à moteur à essence neuf, idéalement à partir de 2030, et mettre des normes d'émissions pour les véhicules légers et lourds beaucoup plus contraignantes, en partenariat entre autres avec les États-Unis. Est-ce qu'un dernier intervenant ou une dernière intervenante souhaitait intervenir sur cette question? Moi, je dirais, à la base, là, il faudrait que les dirigeants politiques changent leur façon de penser. On a vécu, là, dans la dernière année, une crise sanitaire, puis tout le monde a répété, beaucoup d'organisations ont répété à peu près la même chose. C'est une occasion de repenser notre économie. C'est une occasion de réorienter comment on fait les choses. Et dans l'urgence climatique actuelle, il me semble que le message aurait dû être saisi. Puis là, on voit que la relance se fait et cette préoccupation-là ne me semble pas vraiment présente dans la tête de nos dirigeants politiques. Il faut changer les affaires, il faut écouter la population. Puis il faut changer nos façons de faire. Alors, je pense que c'est important. On a une belle occasion là, de repenser tout ça. Il y a l'opinion publique aussi qui est derrière. Moi, je pense que les gouvernements peuvent s'appuyer sur l'opinion publique. Les gens sont conscients qu'il faut faire quelque chose. Si on ne fait rien, nos enfants, nos petits-enfants, ils vont écoper grandement des décisions qui sont prises aujourd'hui. Et pour conclure aussi, dans le changement des manières de faire, c'est aussi prendre en considération les droits territoriaux, les droits à l'autodétermination des peuples autochtones dans les décisions qui sont prises par rapport au territoire, dans l'extraction des ressources et les politiques publiques qu'on met en place pour les encadrer. Donc, ces relations diplomatiques de nation à nation vont être capitales dans notre changement de façon de faire également. Merci. Si je peux me permettre une relance, le climat politique actuel à Ottawa peut sembler favorable, mais Ottawa doit travailler avec les provinces et certaines provinces sont plus réticentes. Le climat politique actuel permet-il au gouvernement fédéral de pouvoir atteindre sa cible de 60 % toute seule sans travailler avec les provinces? Et sinon, qu'est-ce qu'on peut faire pour les convaincre? Bon, il faut du courage, hein? C'est vrai que la situation au Québec n'est pas juste sur le côté énergétique. On a l'électricité au Québec. Si on se compare à l'Alberta, ce n'est pas la même réalité. C'est sûr que quand on parle d'efforts
d'efforts supplémentaires. L'Alberta grimpe dans les rideaux très, très rapidement. Là, c'est évident, mais il faut avoir le courage politique. Puis quand on prend des décisions, là, ça n'arrive jamais. C'est vraiment exceptionnel que 100% des gens sont d'accord avec les décisions qu'on prend. Il faut prendre des décisions pour la collectivité, pour la majorité. Puis je pense que la décision à prendre, c'est de s'engager dans la voie de réduction des gaz à effet de serre, puis rapidement par ça. Puis en plus, il y a des belles exemples à suivre à l'international. En Allemagne, en Espagne, il y a eu des retraits progressifs des industries de pétrolières et gazières ou du charbon. En Ontario aussi, il y a eu une élimination de l'électricité au charbon et son remplacement par un réseau d'électricité plus propre. Alors, vraiment, ce sont des exemples avec lesquels le gouvernement peut vraiment c'est s'inspirer pour travailler avec l'Alberta, avec les provinces qui sont vraiment ancrées dans ces industries. Puis c'est une période qui va prendre, ça va prendre une vingtaine d'années, c'est pas le lendemain qu'on va se retirer de cette industrie-là, mais il faut commencer maintenant parce que sinon on va avoir une transition vraiment chaotique sans aucune réglementation. Et puis ça va vraiment pas être, ça va être très, très difficile. Il est certain que le gouvernement Trudeau manque actuellement une pièce maîtresse, c'est entre autres d'avoir sa loi sur la transition juste pour les travailleurs, de cesser de financer l'industrie pétrolière et gazière et de prendre ces milliards-là qu'il injecte à chaque année dans cette industrie pour aider plutôt les travailleurs que les compagnies et donc assurer une transition. Il y en a des emplois à créer dans les énergies renouvelables, dans l'économie verte. Ils vont se créer aux États-Unis avec M. Biden si M. Trudeau ne bouge pas rapidement. Et il faut ultimement, si les provinces refusent de faire leur juste part, bien, la Cour suprême a été très claire. Le gouvernement fédéral a une responsabilité. Il doit utiliser ses champs de compétences et c'est lui qui a ratifié l'accord de Paris. C'est le Canada qui est redevable sur la scène internationale. Donc, on s'attend à ce que M. Trudeau tire les provinces vers le haut, travaille avec M. Biden, travaille avec l'ensemble de la communauté internationale qui s'est engagée dans le cadre de l'accord de Paris à limiter à 1,5 degré le réchauffement planétaire, alors qu'actuellement, on s'en va vers 3 degrés Celsius, ce qui serait clairement catastrophique. Donc, tout le monde doit en faire plus, à commencer par les pays riches comme le Canada. Est-ce qu'un dernier intervenant ou une dernière intervenante souhaite répondre? Non. Merci bien. Beaucoup. Donc, oui, ça répond à votre question de relance. Est-ce que nous avons une autre personne qui souhaite poser une question? Je vous rappelle, vous pouvez utiliser le chat ou lever la main. Nous avons encore une dizaine de minutes pour prendre vos questions. Ben moi, j'en aurais une autre si personne n'a d'autres questions. Allez-y. On parle du sommet à venir. Plusieurs personnes, plus tôt dans vos présentations, avaient parlé d'un moment à saisir. Ça serait surprenant de voir le gouvernement Trudeau annoncer au sommet des cibles de 60. Qu'est-ce qui serait acceptable entre 30 et 60 selon vous et pourquoi? C'est un peu toujours ce débat entre le moins pire du pire. Donc, on est dans... Ce qu'il faut, c'est faire notre juste part. Et donc, selon les calculs et les modélisations, il y a un certain consensus qui émerge que ça signifie au moins 60 %. Après, c'est certain qu'on peut prendre des engagements très ambitieux, mais s'il n'y a pas, comme on l'a mentionné, des politiques publiques très claires, détaillées, qui prévoient une actualisation de ces engagements-là qui amène aussi une imputabilité en matière des résultats, un engagement vide ne servira à rien. Ce qu'on voit aussi, c'est que, comme c'était mentionné par Patrick, on pense que les États-Unis vont s'aligner, c'est aussi vers au moins 50 % de réduction par rapport au taux de 2005. Et donc, c'est au moins le minimum qu'on devrait faire
comme pays. Al Gore, justement, exhortait Justin Trudeau d'aller dans ce sens également. Donc, le minimum serait au moins 50 %, et c'est certain qu'en réalité, si on regarde ce dont on a besoin pour vivre dans un monde décent et digne de l'ensemble des espèces vivantes et des êtres humains, on parle plutôt d'un consensus autour de 60 %. Par contre, encore une fois, comme on le mentionne, les engagements vides ou les chiffres qu'on n'est pas capable d'atteindre, les cibles qu'on n'est pas capable d'atteindre, il faut également s'en méfier. Donc, on attend aussi au tournant des politiques, on a parlé de lois sur la transition juste, qui permettent vraiment d'actualiser ces transitions-là de façon digne pour l'ensemble des Canadiens et des Canadiennes, et notamment de respecter les droits territoriaux autochtones dans ce processus et les droits des travailleurs. Si je peux me permettre d'ajouter, le 60 % c'est la juste part du Canada, mais seulement d'un point de vue domestique. La juste part du Canada inclut également d'aider les pays du Sud à réduire leurs émissions, étant donné qu'ils ont une capacité puis une responsabilité historique beaucoup moindre dans la crise climatique. Donc, en plus de ce minimum de 60 % sous les niveaux de 2005 d'ici 2030, on demande également au Canada d'augmenter sa contribution à la finance climatique internationale à 4 milliards US par année. Donc, c'est 5,2 milliards en dollars canadiens par année en contribution à ce 100 milliards que, comme Patrick le disait, les pays développés se sont engagés à mobiliser. Et si on se compare aux cibles internationales, aux autres cibles des pays, l'Union européenne, par exemple, ça équivaut à une, ce serait pour Canada une réduction de 63 % en dessous des niveaux de 2005 d'ici 2030. Le Royaume-Uni, 74 % en dessous 2005 d'ici 2030. Alors, il y a vraiment des bons exemples. 50 % déjà, ce serait vraiment un minimum pour le Canada. J'invite maintenant Patrick Bonin à prendre la parole. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la demande de réduire de 60 % les émissions d'ici 2030 pour le Canada, c'est basé sur la science. Et il n'y a pas de négociation à faire avec les changements climatiques. La science demande que les pays développés assument du leadership. Si le Canada n'assume pas le leadership, ne fait pas sa juste part, ça veut dire qu'il y a un autre pays quelque part qui devra le faire. Et si tous les pays font ça, ben on n'y arrivera jamais. Tout le monde doit relever, tout le monde doit relever leur ambition, à commencer par les pays riches comme le Canada, comme les États-Unis. Et la barre est à 60 % de réduction, c'est parce que c'est ce que la science demande. Sinon, ben, c'est des millions de personnes qui vont subir les impacts des changements climatiques. Ils les subissent déjà. C'est une question de survie de l'humanité jusqu'à un certain point. Donc, il n'y a aucune négociation possible. Le gouvernement Trudeau s'est engagé. En fait, Justin Trudeau, en 2015, a dit qu'il allait baser ses politiques climatiques sur la science. On est rendu en 2020. On a encore officiellement la cible d'Harper et on est loin de ce que la science exige. Donc, s'il est sérieux dans la lutte contre les changements climatiques, s'il croit à l'urgence climatique, ben, qu'il dépose une cible à la hauteur des exigences de la science et qu'il arrive rapidement avec un plan pour l'atteindre et dépasser cette cible-là, et qu'il travaille avec la communauté internationale. Il n'y a pas d'autre option, il n'y a pas de négociation à faire sur une cible qui est basée sur les exigences de la science. Je continuerai sur « il n'y a pas de négociation à faire ». Je veux dire, on parle de ma vie, on parle de la vie de tous les jeunes pour qui je parle en ce moment. C'est comme si on disait que la vie des gens qui ont le COVID en ce moment, on les laisse faire, on ne donne pas d'importance. Alors qu'on a mis des sanctions claires, on met le masque, on met telle mesure pour que ces vies-là ils soient préservées. Alors, il n'y a pas de négociation à faire sur la préservation de ma vie, de ma qualité de vie, puis de celle des plus jeunes que moi. Alors, négociation, 50 % de réduction dans l'effet de serre, ça compte des technologies justement qui n'ont pas été prouvées à l'échelle globale. Alors, on prend un risque encore plus grand de mettre ces vies-là en péril. Et même avec des cibles plus ambitieuses, on compte où est-ce qu'on planterait des millions et des millions d'arbres. Où est-ce qu'on fait encore de la déforestation ici même au Québec? Là. Alors, ces cibles, ils devraient être encore plus ambitieuses. Puis, c'est même pas une question d'être insatisfait parce qu'on est des écolos. C'est une question de notre vie est en danger. Là. Si vous me permettrez, j'ajouterais que, évidemment, les cibles qui sont fixées
doivent nous tirer vers l'avant, là, doivent nous pousser vers l'excellence dans ce domaine-là. Mais je pense que tout ça passe par le dialogue social. Je vous ai parlé dans l'introduction là, de la nécessaire transition juste dans laquelle les travailleurs, les travailleuses sont impliqués, doivent être impliqués. On doit trouver ensemble des solutions, on doit se parler. Ce n'est pas toujours facile là, à la FTQ. Il y a des dossiers qui ne sont, sont pas évidents. Là. Pensez-vous qu'un dossier comme la cimenterie ou en Gaspésie où on est présent, les gens qui travaillent là, ils ne veulent pas que la cimenterie disparaisse. Quand on parle des mines, les gens qui travaillent dans les mines et qui sont membres de la FTQ, il faut dialoguer avec eux, il faut leur parler pour leur faire comprendre que c'est important d'agir, puis de les amener à eux-mêmes suggérer des solutions pour que la mine dans laquelle ils travaillent soit moins polluante, trouver des solutions ensemble, s'impliquer avec l'entreprise, avec la communauté, avec les gouvernements pour trouver des solutions dans ce sens-là. Puis tout ça passe par le dialogue, un dialogue social dans lequel toutes les parties sont impliquées, les travailleurs, les entreprises, les gouvernements, la communauté, les organismes de la société civile. C'est vraiment important, puis c'est comme ça qu'on va réussir à atteindre nos objectifs. Nous avons le temps pour une dernière question. Je vous rappelle, vous pouvez utiliser le chat ou lever la main. À moins qu'il y avait un intervenant ou une intervenante qui souhaitait ajouter au dernier propos. Je ne vois pas de questions, donc j'invite les intervenants à présenter un dernier propos avant de clore la conférence de presse, si vous le souhaitez, bien sûr. Oui, donc j'invite Patrick Bonin de Greenpeace à prendre la parole. On a vu depuis l'élection de M. Biden qui a fait plusieurs gestes pour le climat. Il devrait aller beaucoup plus loin, mais en à peine 3 mois, il est en train de dépasser ce que M. Trudeau a fait depuis 5 ans. Donc, on n'est plus autant des promesses vides. M. Trudeau doit contribuer à la hauteur du défi de la lutte contre les changements climatiques. Il y a une crise climatique, ça prend des gestes, des mesures pour avoir non seulement une relance verte, mais également pour s'assurer de protéger les plus vulnérables, protéger les populations, protéger l'environnement. Et c'est ce à quoi on s'attend demain, c'est que M. Trudeau arrive et soit à la hauteur des leaders, il devienne un vrai leader dans la lutte contre les changements climatiques, chose qu'il n'est pas actuellement parce qu'il est encore tiré vers le bas par les compagnies pétrolières et gazières, par les provinces productrices de pétrole et gaz. Et là, c'est littéralement un choix. Il doit choisir de quel côté de l'histoire il veut être, M. Trudeau. Est-ce qu'il croit vraiment la lutte contre les changements climatiques ou c'est encore une fois des beaux discours, des belles promesses vides comme auxquelles on assiste depuis 2015, depuis l'accord de Paris? Ça fait 5 ans qu'on attend que les pays arrivent avec des cibles plus ambitieuses, 5 ans que les pays se sont engagés dans l'accord de Paris à limiter le réchauffement à 1,5 degrés Celsius. Et on s'en va encore vers 3 degrés Celsius. C'est inacceptable. Et demain, c'est une occasion justement de briser cet immobilisme-là au niveau international. C'est le retour du multilatéralisme entre les pays. On a du leadership aux États-Unis, première fois qu'on en a depuis 5 ans. Et il faut en profiter. Il faut que le Canada, maintenant, élève son jeu et fasse partie des leaders. La population le demande. On était 500 000 dans les rues de Montréal le 27 septembre 2019. Les gens ont voté pour de l'action climatique. Maintenant, il faut livrer la marchandise. Merci. Donc, nous avons quelques intervenants qui doivent quitter afin de pouvoir se joindre à la conférence de presse en anglais qui suit sous peu et qui débute à 9h30. Donc, je vais conclure cette conférence de presse de ce matin. Je remercie à tous les participants ainsi que les intervenants et intervenantes de votre présence ce matin.
Le communiqué de presse a été envoyé ce matin à 8h30. Donc, je vous invite à le consulter et à contacter les personnes ressources pour toute question et afin d'organiser les entrevues. Donc, encore une fois, merci de votre présence et bonne journée.